Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel ESO Actu, votre récapitulatif hebdomadaire de l'actualité consacrée à The Elder Scrolls Online. Ce mardi, Bethesda nous a invités à un live Twitch qui s'est déroulé ce vendredi afin de lever le voile sur le prochain DLC narratif ainsi que sur la mise à jour 36. Ce nouveau contenu se nommera Firesong et nous emmènera sur l'île de Galen qui se trouve au nord-ouest de l'île Hoth, appartenant aux quatre îles de l'archipel des Sistres. Cette île est habitée majoritairement par des druides et possède une ville portuaire dirigée par la maison Mornar du nom de Vatyr. Ce DLC rajoutera un nouveau deck et donc un nouveau mentor du nom de le roi des druides. En parallèle de ce DLC, la mise à jour 36 sera déployée afin d'appliquer des équilibrages et des correctifs sur le jeu de base. Ce patch apportera un outil permettant de placer des marqueurs de cible, une option d'accessibilité de texte lu, la capacité de cacher les familiers de classe en ville et plusieurs changements pour le partage et la visite des maisons. Toutes ces nouveautés seront à découvrir ce lundi 19 sur le PTS, le 1er novembre sur PC, Mac, Stadia, puis le 15 novembre sur Xbox et PlayStation. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, un petit commentaire afin de donner votre opinion, votre point de vue, et rejoindre le serveur Discord. Je vous souhaite une bonne journée et bon jeu à vous.